Lundi, samedi, la semaine. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Le gros foirage, c'est pas grave. Ladies and gentlemen, bonjour à toutes et à tous, ici Mazdarm, et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle aventure en compagnie des Squalichons et Togma ou Touginette. Touginet. C'est deux T-E. D'accord, alors Touginet. Enfin, Touginet, c'est avec un U, hein, quelque part. Oui, non. Oui, bon, Touginet, si tu veux. Touginet, je m'en fous, c'est Touginet. Bon, c'est comme tu veux. Donc, qui va raconter le pourquoi de pourquoi on est là? Eh ben, on est là parce qu'il y a eu la super mise à jour de la 1.2 et qu'on va jouer tous ensemble. Ah oui, rien que ça. Toi et moi. Et Squalichon, bon, voilà, il est personnage secondaire, machin, hein, il s'y fout là, lui encore. Là, bon, c'est, hein. C'est pas ce qu'il fait. Hein. Non, mais il est chiant, hein, moi, on s'est dit, on allait tourner ensemble, et le mec, il s'est incrusté complètement dans la vidéo, quoi. Franchement, Squall, à un moment, tu comprends pas que t'es plus désiré là, hein, sur ta propre chaîne. Je suis désolé. Bon, alors, voilà, c'est mieux. Il se fait exclure de sa propre chaîne. Non, mais c'est ça. Exactement. Togmar prend le pouvoir. Je vais renommer la chaîne In Togmar We Trust. Tu vois ? Un truc dans ce goût-là. Ok, très bien. Bon. Je cours. Non, je rejoins Slim. Sous pression. Salut Slim. Eh hey, mec. Tu veux être copain avec moi? Vas-y. Je rejoins tes rangs. Vas-y, viens, ils sont en bas. Vas-y. Ouais. Attends, allez. Attaque. Ah bah non. Non. Oh là là. Je viens de faire un petit carnage là. Ouais. T'as tué des moufettes. Comment as-tu osé, Togmar? Je ne te pardonnerai jamais d'avoir tué Roger. Roger le slime. Roger le slime bleu. Non, mais toutes mes excuses, hein, je veux dire, à un moment, c'est vrai que j'étais pas préparé. Et je me suis fait surprendre, du coup. T'es encore si jeune. Rien que ça. Oh, toute la vie pour lui. Oh, ça c'est beau. Enfin, pour débuter. Du copper. Il y en a au-dessus, d'ailleurs, du copper. Allez, ouais, récupère au-dessus, moi je vais voir s'il y a quelque chose un petit peu plus loin dans la caverne, là, vite fait. Tu n'es pas Roger, cesse de mentir. Squall, je suis ton père. Non. C'était facile aussi ça. Et donc, 1.2 sur un magnifique monde. Alors, pour moi, j'explique de mon côté pourquoi j'ai quelques conneries qui traînent dans mon inventaire, tout simplement. Et pourquoi aussi, d'ailleurs, on a un peu la map vue. C'est tout simplement, on est allé checker s'il y avait la Crimstone. Parce qu'on voulait, voilà, on voulait avoir la Crimstone. Bon, voilà. On voulait un peu de nouveauté. Voilà. Voilà, sachant qu'on a du copper et du fer sur la map, donc niveau nouveauté basique, ça va pas non plus être l'extrême total éclate, quoi, mais sur les premiers matériaux. Bon, après, on peut avoir la chance, encore une fois, d'être wallow sur les trois matériaux différents. J'attire votre attention sur le fait qu'on est en train de déboiser. Ouais, carrément, complètement. Ouais, c'est un génocide là, à ce niveau-là, je pense. Non, mais complètement, non, mais c'est bien. C'est vrai. Hein. Mais en même temps, est-ce qu'on n'a pas toujours besoin de bois? Si, c'est voilà. Quand même. Voilà. Mais par contre, ce que Squall fait et ce qui est beau, c'est qu'il replante. Et t'as vu? Mais moi, je suis ami des slimes, mais... des arbres. Il fait semblant. Non, mais ça, c'est l'excuse pour pas bosser, tu vois. Genre, je replante, tu vois. Genre, je coupe pas d'arbres, je replante, tu vois. Je tiens à préciser que vu que je vois que Squall est en train de aplanir, je suppose que nous allons nous installer ici. Bah, écoute, pourquoi pas? Ça paraît être une zone assez plane, écoute, ouais, assez bien large. Sur une bonne distance. Ça paraît pas mal, on a un arbre à côté, une petite rivière qui coule. Ah oui, il est grand l'arbre ou pas, tiens? Il est grand, ouais, il a l'air assez grand. Il n'y a pas de cachette, si c'est ça que non. Tu... Non, mais parce que moi, ce que j'avais fait dans ma première, dans ma saison... Une maison dans l'arbre. Voilà. Oh, ma foi, ceci m'intéresse. On y avait réfléchi, en fait, avec les live trees et tout, on s'était dit qu'il y avait un truc sympa à faire avec Squall. Parce qu'en et fait, je suis pour la maison dans l'arbre. Tu creuses le centre, tu fais passer une corde et après tu peux grimper en fait. Et au ouais, niveau là, des arbres, bah, c'est vrai qu'il a celui-là, il est relativement petit. Moi j'en avais trouvé un assez mastoc. Et sur les branches, si tu veux, j'avais aplani au niveau des branches et j'avais installé les maisons des PNJ à ce niveau-là. Et ça vous dit pas qu'on fasse un petit truc comme ça pour nous au début, au pire? Et puis s'il faudra, on fera une cité HLM pour les mais PNJ là, à côté. Là. Là on peut pas parce que on peut pas placer du bois comme ça. Il nous faut le. Ah, mais on s'en fout de placer du bois comme ça. Regarde, tu creuses là, tu fais ton montage et après tu fais un truc avec du bois à peu près normal, tu vois. Du bois, bah, genre, le truc, c'est que ce bois, tu peux pas l'avoir maintenant. Ce ouais, bois, non, là. Mais tu fais des petites maisons en bois, genre bois normal, tu vois. Bah vas-y, va te faire ta baraque là-bas.
Moi, je me fais la drague sur mon aplanissement. D'accord, bon, bah écoute, voilà, d'accord, ok, excluez-moi, je vais faire ma baraque dans les arbres, c'est bon. Mais non, excluez-moi, mais ne t'en va pas. Avec le chimpanzé, voilà, Marine Le Pen qui monte, on sait pourquoi, hein. Ne t'en va pas, ne t'en va pas. Ah, ça va être de ma faute si Marine Le Pen monte maintenant. Oui, oui, la montée du racisme et de la ségrégation, c'est ta fausse, Squalichon, tout à fait. Ah ouais, à ce point-là, quoi. Oui, non, mais complètement. Non, mais je le confesse, hein. Ah, mais t'as intérêt, confesse-toi. Je confesse. Parce que j'aime bien les fesses. Ah, Natacha revient. Ouais, là, c'était Natacha là quand même. Hein. J'aime bien les fesses, ouais. Natacha, elle est un peu malade, elle est un petit peu malade. Ah là, c'est la totale là. Hein. La grippe, pneumonite. Par contre, est-ce qu'on surélève légèrement la maison pour la Blue Moon ou pas? Ou on s'en fout? Ah ouais, non, si, ouais. Si, ouais, si, carrément. Ouais. On va faire deux. Full. C'est combien? Deux ou trois? Non, même deux, un. Ça suffit. Ouais, tant que c'est pas au sol, je crois que ça les bloque. Faisons deux. Un, je suis. Bah, fais deux. Un, je suis sceptique. Ouais, bah, fais deux. Je suis rempli de sceptiques. Yeah, parce que j'ai fait pas mal de maisons avec un, ouais, et pour moi, il rentrait, quoi. D'accord, bon, bah alors vas-y, fais. Fais donc. Oui, et puis c'est pas comme si on était pauvre en bois non plus, hein. Écoute, c'est pas comme si on avait déposé en début de partie. C'est ça. Le seul truc dans lequel on n'est pas pauvre, pour l'instant. Ça ne va pas durer. Oui, c'est bon, ce qui serait cool, c'est que. Vu qu'on. Qu'est-ce que tu nous fais quoi là? Tu nous fais un manoir en fait? Ouais. D'accord. On est trois, et puis il va y avoir des PNJ, et puis voilà. Ah, des PNJ. Des PNJ quoi. Ouais. J'ai cru que t'allais dire ça, monsieur. Ça y est, il a déjà prévu de faire une soirée, le Togmar. Il invite des filles et tout. Attends, mais pas du bois, on mettra des planches. Ah, mais tu referas un. Des planches. Tu mets pas des planches sur tout l'étage, tu fais juste un passage. Si tu le fais, bah là, il n'y a pas de passage. Regarde. Voilà, t'as un passage. Ouais. C'est horrible de repasser en mode noob, quoi. Ouais, en mode low level. Comme ça, vous allez me faire découvrir les nouvelles armes, vu que moi, je les ai pas encore toutes vues. Ah, tu as du beau à découvrir. Bon, les gars, je nous installe un truc en attendant. Vas-y, éclate-toi. Yeah. Parce qu'en fait, moi, vu que je suis passé directement sur ma saison en mode hardcore, oui, sans prendre le temps d'y aller en softcore, et bah, résultat, j'ai pas trop avancé. Résultat. Ça vous dit pas de rentrer la table à un moment? Bah, vas-y. Que te plaise. C'est pas une table, c'est une table de craft. C'est une workbench. Exactement. Et alors? Rentrer la table quand on même. On ne commence pas avec tes imprécisions, Togmar, hein? Ça suffit. Faut pas déconner. Après, qu'est-ce que ça va être, hein? Un slime bleu? Tu vas le confondre avec Roger, c'est ça? C'est exactement, ça que tu es en train de me dire? Et regarde, il y a Roger à gauche, il y a Roger. Il est là, Roger. Bref. Sinon, moi, je voudrais pas qu'on m'accuse de tricherie. Mais pendant qu'on regardait, c'était de la crimstone, puisque je passais par un désert, j'ai forcément ramassé du cactus. Hein, je suis désolé, c'est un vieux réflexe personnel. Donc tu vas jeter ça. En cactus. Donc je vais faire une connerie d'armure en cactus, ou d'épée en cactus, ou de pickaxe en cactus. Je veux dire, quelque part, moi je m'en fous. Voilà. Oui, après tu fais ce que tu veux. Qui c'est qui veut une épée? Hey. Non merci. Tenez, prenez une épée. Bon bah... Une épée. Et... Oui, mais vu que c'est pas du début, c'est de la triche. Mais si, c'est du début. C'est du début, oh, c'est je suis la map à côté, de son, ah ce n'est pas ouais. Ah, ouais. Bien quand même, hein. Ouais, j'ai eu un gros jet de ouf, moi, par contre, j'ai une légendary. Ah oui, bah oui, c'est le must, hein, donc... Ouais, c'est sympa, ça commence à être pas mal. Globalement, vu que moi, t'as eu un jet plutôt correct aussi, ça va, tu t'es mis bien, quoi. Ça, mais moi, niveau G, je me mets bien, généralement, hein. Je suis un peu un château là-dessus. Et clac, voilà. T'aimes et j'ai plus de cactus. Ok, tu tête... Ouh, t'es moche. J'ai une tête de poisson SM. Ah ouais, t'es horrible. En pyjama. J'avoue, c'est... D'ailleurs, j'ai fini mon deuxième épisode de Terraria Hardcore avec l'armure en cactus complète. Ce qui est assez glauque quand tu la regardes. Oh, ça va. Non. J'ai pas vu encore, moi, l'armure cactus. Elle est space quand même. Hein. Ouais, elle a l'air, ouais. C'est assez laid. Ça, on s'en fout. Hop. J'ai plus de bois.
Tu peux faire une petite table et une connerie, Tog? Table, chaise. Ouais, Tog, ils sont généralement, moi je m'occupe de faire les Tog murs. Tog ou masse, hein, comme vous voulez. Non, mais c'est moi, je fais les moi j'en ai encore 71 des murs. Ah bah. On va voir déjà si on va tout remplir parce que. Faut que j'en fasse plein des tables et des chaises pour chaque étage? Un par étage. Ouais, oh, mais. Enfin, non, pour... Bah, de toute façon, pour l'instant, on a besoin de. On a besoin de personne en fait pour l'instant. Et non, mais concrètement, mais après, ça nous coûte rien de préparer en attendant les ouais, mais voilà. Comme ça, ils arriveront direct, tu vois. On se prend pas la tête à se dire, faut qu'on fasse une maison tous les trois épisodes. On bourrine, bim. Ok, et genre, comme ça, quoi. Tu mettras une séparation entre les deux, comme ça, on aura une maison pour chaque PNJ. Ouais, tu sais que tu peux mettre au moins deux PNJ par côté hein, avec ça. Ouais, à mon avis, tu peux même faire ça. Ouais. L'argent. Non, mais de. Ah! Est-ce que vraiment on veut se prendre la tête à mettre deux PNJ par côté? Bah, au moins, il y en a une chier. Il y en a une chier. Ouais, vas-y. Je suis sûr qu'il y a la blinde, hein. Il y en a au moins. Il y en a limite une vingtaine, je crois. Ouais, facilement, ouais. Ouais. Donc, ouais, mais si est-ce qu'ils arrivent tous, je veux dire, on construira un autre building à côté, quoi. Oui, si tu veux, à la rigueur. Non, mais vas-y, je vais tasser, hein. Moi, vous me dites de tasser, j'en mets deux par côté, y a pas de... Non, mais ici, la rigueur, là, tu peux laisser, si tu veux, parce que là, c'est notre coin de passage. D'ailleurs, pourquoi lui, il est rentré, lui? Oh, ah, ça change l'épée. Ça change. Ah oui, hein, d'un coup, c'est ah, d'un coup, ouais, c'est pareil, ouais, non, mais c'est le cactus, quoi. C'est direct, tu vas récupérer un peu de cactus, ça va beaucoup plus vite. Bon, déjà, Squall, il descend bien, mais est-ce que t'as moyen de remonter aussi, Squall? Pas du tout. D'accord, c'est bien ce que je vous disais. Tiens, donne-lui ça. Non, mais ça va aller, j'ai des cordes. Tiens, voilà, en plus je te mens, tu vois, parce que j'ai des cordes. Ah! J'ai descendu une partie de corde. Ah! Ouf! Bon bah. Il est un peu mal placé là. Ah merde! Ah, ça nous fait descendre d'un coup. Oh, écoute, ah, hein. Y'a une Fallen Star. On va se démerder. Tiens, bah. Salut, je vais la ramasser. Tu vas me virer cette torche qui sert à rien, d'accord? On va la mettre à droite. On va mettre les torches à droite. Ah, tu veux mettre. Okay, c'est quoi cette bifurcation que tu nous as fait là? Alors, parce que j'avais commencé à mettre la corde ici et toi t'es parti de l'autre côté. C'est pas ma faute. Je suis pas d'accord, moi. Je refuse. Oui, mais moi je suis pas d'accord. Ouh, elle était forte, non, celle-là. Elle était forte en chocolat. Non, comme Chocapic. C'est trop violent là. C'est trop élevé là. T'es fort en chocolat. Le level, too much level. Oh, haute teneur en cacao garantie. Ouais. Rien que ça. Carrément. Rien que ça. Et t'as plus de bois pour faire du fond là? Je t'avouerai que non, j'ai zéro bois là. Et vous avez pas de quoi vous faire des armures en bois non plus? Les armures en bois, ça sert autant pas en mettre, franchement. Ouais, les armures en bois, c'est un peu pourri. Ouais. Pour ce que ça te donne, je te jure que ça ne sert à rien. Ça te donne un de défense. Quoi. En fait, c'est con ce qu'on fait. Qu'est-ce qu'on nous? Parce que maintenant il a quand même fait beaucoup plus en mode il y a des entrées de caverne, tu vas dans la caverne et c'est cool quoi. Et t'as juste à descendre. C'est ça. Donc je propose que nous fassions ça. Et bah attendez moi les gars, je suis en train de mettre des fonds mais dans la attend, maison là. On attend. Des creurs un peu. Mais ça va. J'éclaire un petit peu à côté. Bande de salauds. En fait c'est toi Squall qui voulait me jarter et me remplacer par masse. Ok non mais je vois maintenant. Non mais d'accord. Arrête de dire des bêtises. Moi je voulais vous remplacer tous les deux par Robert. Voilà. C'est vrai, j'avais oublié. Bon, Robert. Par contre, là, la table juste devant la porte, c'est pas très très pratique. On s'en fout. Tu peux bah non, parce qu'on a du mal à ouvrir la porte. Résolte. Tiens, Squall, cadeau. Tu suis entier. Oh oui, merci, moi qui aime tant la nature. Ah, oh, à moi. Ah oh, oui, non, c'est le mien. Non, salaud. C'est moi qui l'ai vu. Il s'appelle Roger. Non, Roger. Il s'appelle Roger, con. Oh. Bon alors, bah tiens, là, il y a l'air d'avoir un truc. Oh, c'est quoi en dessous? C'est un mec à cirer, ouais. Et il loot des morceaux de cirer, en fait. C'est quand il pleut et que c'est... C'est pas eux qui droppent les ballons? Non. Je crois pas. Je sais plus, parce que moi, j'ai réussi à dropper un ballon sur un zombie. Enfin, dropper un ballon sur un zombie. Je crois. Ouais, mais là, en bas, je crois que on a déjà visité, il y a rien ici. Donc, qui c'est qui a une entrée de caverne, alors? Ah merde, j'ai plus de torche, fuck it. Attends, moi, j'en ai. Ah, fuck it, j'en ai regarde, pas. Regarde, attends, ça a l'air de continuer par là. Non, j'étais au bout, t'as compris. Non, rien. Bon, très bien. C'était une huge caverne. Ah bah, on s'est mis frais là. Je suis full platinium. Ah, j'ai looté un raincoat. Trop fort. Je me suis powerful. C'est vrai? Ouais, je suis venu achever le zombie. Crevard. Crevard. Hop.
Oh, regarde ça, on dirait un mage, c'est magnifique. Salaud, on dirait un pêcheur. T'as pas de t'as de la chance, toi, tu démarres bien. Alors, est-ce que on a un. Déjà, il y avait une entrée, il y a une entrée, un coffre à gauche. Je vous propose de me suivre. Suivez-moi. Alors, attends. J'arrive. Suivons la mise, quoi, les chiens. Follow me. I'm the fisherman. Oui. Où es-tu? Follow the fisherman. I will lead you to victory. But not today. Today it's fish time. Bon, bref. Vous avez qu'à parler anglais, bande de morue. C'est qu'à de le dire d'ailleurs. Oh! Est-ce qu'on parlait de fiches? J'ai droppé un shekel. Ah, ça c'est cool aussi. On n'a pas de coffre. Ah, mais il y en avait un là-bas. Est-ce que j'ai des champis, j'ai des potions? Mass! Oui. Mass, il est là. Équipe-toi du shekel, hein, bah ça n'hésite pas. Je suis équipé du shekel. Non, ça remonte tranquille. Enfin, tranquille. Ça remonte juste, mais ça. Voilà, il y a un coffre. Exact, un coffre. Alors, ouh, il est bien garni. Je laisse ce squall regarder déjà quand même. Vas-y, squall, je te permets de le regarder dedans. Bien aimable. Putain, ils ont pillé toutes les pots. J'en ai pas eu un seul, quoi. C'est moi. Ah non, mais Mass a pillé le dernier pot que t'as pas cassé, quoi. Ok, c'est cool. Il est pas mal, hein. Oui, je prends les iron bars parce qu'on s'en fout. De toute façon, on fera les trucs après. Et puis le reste, vous démerdez. Tiens, si je vais prendre les torches, toi, que ça te dérange pas. Non, vas-y, tiens. Prends le coffre aussi, ouais. Ah, vous avez vidé le coffre? Je t'ai mis des shurikens devant. Si t'aimes bien les shurikens. Oui, j'aime bien les shurikens. Vas-y, moi j'aime pas trop les shurikens. Je préfère les couteaux. Allez, ouais, moi aussi j'ai pris les couteaux. J'ai pris les throwing knife. Bon, là il faudra torcher parce que je peux plus torcher. Oh, c'est beau ça. Ouais. Juste sous nos pieds. Sous la torche, évidemment, tu vois, histoire de faire chier. Par contre, je n'ai plus de torche. Donc je vois pas grand chose. Ah, je remercie. T'es chaud. Merde. Je suis en train de me dire que. Est-ce que je suis en train de faire un peu, j'arrive pas à. Squall, regarde. Mmh. Oui. Ah, salaud. Enfin, cool. C'est bon. Sérieux, les deux carrément. Mais c'est abusé quoi ce loot. Mais vous êtes. Ah putain, les gars, Oh, on n'est pas magnifique. Ah, c'est bah la voilà. Troupe de pêcheurs. L'équipe des pêcheurs fous quoi. Il vous manque plus que le. Ah oui, c'est vrai que ça pourrait être pas mal de manger un petit bout. Ah, une falaine. Bon, une falaine. Au cas où je suis pas en 720p, ce qui est possible, j'ai l'impression d'être tout petit quand même. Je m'excuse, et puis pour le prochain épisode, je serai en 720p, ce sera magnifique et merveilleux. Mais je m'étais mis en 720p, mais vu qu'on a changé, on a refait plein de fois, ça a dû. Je pense pas être en 720p. Là, j'ai une caverne, les gars. Pas en 720p, qu'est-ce que je raconte en. N'importe quoi. 1280. Aïe. Voilà. Pour éclairer la. Laissez la Fallen Star de l'autre côté du lac, quoi, carrément. Bon, là, c'est à vous d'éclairer. Hein. Vous êtes tous les deux relativement mourants, je vous informe. Ouais, non. J'ai dit relativement. C'est une façon de voir les choses, je veux dire. Oui. Hein. J'ai dit relativement. Oh. Pas commencer à m'emmerder là. Si. Moi, je t'emmerde, quoi. Je t'emmerde. Mais je vois bien. Vas-y. Je vois bien. Je n'oublie pas, Togmar. N'oublie pas. C'est toi qui as tué. Note-le. Roger. Ouais, mais j'ai génocidé Roger. Et d'ailleurs, si je croise des membres de sa famille, écoute, je n'hésiterai pas une seule seconde à mettre leur vie en péril. À ce point-là, littéralement. Ah, ça me fera plaisir. Ah, attends. Non, c'est de la pierre, je n'ai rien dit. Merde. Par contre, moi, je peux pas me faire de torche, donc. Moi, j'en ai plus que 9, donc. Et Squall, tu restes combien? Bah, 9 aussi, tiens. Ah, oh. Mon cœur, c'est mon cœur. Laissez-le moi. Non, mais, lumière là. Oh. Alors. Je suis en galère. Ils sont dans rien à branler. Attends, t'es où? Mais qu'est-ce que t'as? Il y a pas de fond. Non, il y avait pas de cœur, c'est faux. Quel cœur? Où c'est un cœur? Ah! Il faut éclairer en dessous aussi. Et au-dessus, putain, faut vraiment qu'on se fasse. Oui, c'est moi qui vais être en galère en fait. Mais non, je t'ai mis la torche. Je t'ai mis la corde. Ouais, non, mais. Ouais, moi, t'en chier avec les cordes. Ça. Ouais, j'aime pas les cordes moi. Putain, je comprends pas comment ça marche quoi. Je trouve ça complètement hors de.
de propos, quoi, tu sais. Je crois pas qu'il y ait quelque chose dans n'importe quoi, les cornes. Non, effectivement, il n'y a rien. Voilà, t'as utilisé de la corde pour rien. T'es fier de toi ? Il y a du copper au-dessus. Bon, je ouais, vois, je vois, j'ai compris, j'y vais. Bon, les amis, je suis désolé, mais... Voilà. Hein. Non, bah, écoute, il faut mon propre bien, faut bien qu'il y ait un premier, et puis... Voilà. Faut bien qu'il y en ait un. Hein. C'est ça. Il y a de la teinture verte, là, tiens. Par contre, on a plus d'éclairant. Ah, il t'en reste combien de TOG, là? Je parlais de 2-3 peines. Non, 8 encore. Ah, ok. Hop. Oh, une petite... Ah, on va avoir un copain. Oh yeah, quel talent. Attention. Il y a Robert, il y a Robert. Regarde ce que je lui fais à Robert, aux membres de sa famille. Ah putain, j'ai oublié. J'ai rien pour nager. Ah oui. Pas ça, sauter dans les trous comme ça, d'os. Ça, tout confiant, genre ah ça le fait. Wouhou. Non. Oh fuck me. Déjà, faudra éclairer la flotte, ça pourrait être pas mal. Fuck it. Alors, il y a quoi? Ok, ça va, c'est relativement profond. Tu vois loin? Oui, je la vois, je la vois. Et vous avez c'est laissé... C'est quoi cette espèce de tente? Tu vois la tente à droite, là? La tente? Ah oui, il y a une tente. C'est rien, c'est rien, malheureusement, tente. C'est rien. C'est juste décoratif. Décoratif? Et on peut le récupérer? Non. Bah non. Non, j'ai ouais, juste pété. C'est comme les rochers, quoi, en fait. C'est ça, exactement. D'accord. Il y a quoi de l'autre côté, là-bas? Juste j'ai l'impression qu'il y a du copper, là. Pas sûr de moi, mais... Et ouais, vous avez laissé de l'améthyste, pensez à les prendre, hein, parce que ça nous fait quand même des grappins rapides et tout, et cool. Ah, ouais, et même pas que des grappins, ça nous fait aussi des... Depuis quand on peut faire des grappins avec de l'améthyste? Avec depuis tous les... 1.2. Ouais. Avec tous les... des blocs, masse, j'en ai plus. J'aime. Sachant qu'ils sont pas tous équivalents, améthyste c'est le moins bien, ensuite t'as topaz, et ensuite t'as émeraude, en gros. Oh, 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 un boulder. Fais gaffe, Tog. Ah non, c'est oui, d'accord, oui. Ok, bah, alors... J'ai marché sur un bouton. Voilà, merci, c'était Terraria Hardcore. Voilà. Saison 3. C'est parti pour la saison 4. Mais comment ça rate? Rejoins-nous pour la saison 4, hein, mon petit masse. Que des misères qui t'arrivent dans tes saisons hardcore, dis donc. T'imagines même pas comment je panique dès que je suis dedans. Non mais j'imagine quand même. Mais le hardcore sur Terraria, moi je comprends pas, tu vois. C'est un jeu, c'est un die and retry, tu vois, quelque part. Voilà. Ce que j'en voilà. Vraiment, non mais... Okay. Hey, Walter. C'est oh, bah, il est apparu devant moi. Qui c'est qu'à 50 PA? C'est Walter Eisenhower, mon c'est gars. C'est moi, j'ai 50 copper. 54 copper, ça doit non, pas faire. Non, mais pièces d'argent. Non, j'en ai que 7, moi. T'as combien de pièces d'argent, Moi, j'en ai 29. Bon, au cumul, voilà. Peut-être. Ouais. Putain, si ça prend en compte le cumul, c'est cool. Ouais, ça va brouter plus vite. Torche, c'est assez relou. Ouais, ce que je vais faire, c'est qu'en passant, je vais récupérer du bois. Ouais, t'as une bonne idée. D'autant que... Ouais, j'ai plein de slime. Robert et toute sa famille. Ça monte plus les là-haut, hein. Ouais. Non, y'a que dalle. Là, faut descendre. Holy shit. Voir là-bas. Ah non, je suis pas d'accord là. Dans l'eau là? Ouais, dans l'eau là. Mais t'es un fou. Vas-y, moi je me. Tu creuses à côté? Je me fais le. Bah, tiens, attends, je vais prendre des blocs moi. Pour faire le fagot et pouvoir remonter avec des blocs au cas où. Si donne-moi des blocs de. Si t'as des blocs de terre ou des trucs comme ça, squall, file-les-moi. Vas-y, je te les file quand tu pars. Bon, j'ai quelques torches, mais j'ai du bois donc. Ah bah là, il y a l'air de rejoindre un truc à droite là. Ouais. Et il y a l'air d'y avoir de l'iron en dessous de nos pieds. Ouais, aussi. Mais ça rejoint pas grand chose en fait. Non, j'ai pas de torche. Non, ça rejoint que dalle même. Ça va, Mas, tu t'en sors? Ça va, je suis en train d'arriver là, Ok, cool. Ah si, attends, en bas là. Y'a un truc là, non? Non, c'est des trucs de sable, y'a des petits bugs comme ça où c'est pas dégénéré. Donne-moi tes blocs, je te donne l'iron. Ouais. Tiens. Merci. Ah merde. J'ai pas de glowstick. Je suis en train de vous rejoindre. Ouais. Moi j'en ai deux. Mais t'as vu qu'on va te rejoindre plus rapidement que toi, tu ne vas nous rejoindre. Bah, je suis déjà là. Hein. Ah, bon. J'ai t'as de quoi respirer là. Mais t'as vu que je dis de la merde.
Du coup. Oui, mais t'as vu que tu dis souvent de la merde. Ah, un boulder. Oh, oh, oh. C'est le triplé du boulder. Allez. Ça, c'était beau, les gars. Franchement, félicitations. Holy shit. Non, mais mec, mec, Red, t'as pas le droit de faire ça. C'est d'une mesquinité, mais à toute épreuve. C'était beau. Ah, c'était beau. Je veux un parapluie, je veux un parapluie. Oh la vache, oh la vache, non, comment il veut, les... il veut pas de parapluie. Ça va niveau boulder, Masdarm, tu t'entends bien avec eux, globalement? Deux en moins de 3 minutes, c'est un bon ratio. Hein, ça y est, je vous ai rejoint. Ok, c'est cool. L'aller-retour boulder, quoi. Et l'arbre, là, tu te fous de ma gueule? Oh, Jackie. Quoi? Bah, Jackie l'arbre, je suis pas content. Je suis pas content, Jackie. Tu crois quoi? Tu crois que tu peux grandir là de 2 mètres de haut là et puis c'est bon? Je te laisse un peu de temps, je reviens. T'as intérêt à avoir grandi. Sinon ça va mal se passer. C'est ça que d'être. Regarde-moi ça, là, sérieusement. Tu prends de la sale race d'arbres là pour faire nos arbres là aussi. N'importe quoi, je suis désolé. On a un peu de génétique, mon ami. C'est bon quoi. Qu'est-ce que c'est que ce travail là, hein? Pas d'accord, moi. Je ne suis pas d'accord. Il y avait quelque chose au fait dans l'eau? Bah on n'a pas pu tellement voir hein, du coup. C'est vrai que on a été coupé dans les gens. Ça a été assez expéditif. Moi je me dis qu'il y a des arbres qui font 2 km de haut là au sud du truc là, donc je vais les récupérer au passage. Fais donc, je vois que Mass fait pareil. Vous êtes bien. Bon ouais. On va faire semblant de. semblant de bosser un peu. Il va porter de conneries. D'ailleurs il y a de l'iron là où il y a mes arbres d'ailleurs. On n'avait pas fait gaffe mais. Si, je l'avais vu, mais j'avais la flemme de monter, donc... Ouais, arrête, de l'iron en surface, faut pas déconner, les gars. T'as 4 blocs à poser, quoi. Oh. Ah, c'est 4 blocs de trop. Mais l'iron... C'est surfait. Bientôt, on sera tous en halo. Ouais, c'est ça. Et encore, c'est pas encore la meilleure. Hein. Oh non. Oh non. D'ailleurs, vous en êtes où, là? Farmé. Au niveau du stuff. Moi, j'ai tout, moi. Ouais, si, on a tout. Il y a une belle bibliothèque. Je sais pas si t'as regardé la vidéo de Squall, mais on a fait une map où en fait il y a un musée de toutes les armures. Enfin, il en manque encore quelques-unes hein, qu'on n'a pas fini. Ça y est, j'ai chopé les Turtle Shell d'ailleurs. J'ai chopé la Turtle Shell, ok. Et il y a laquelle d'autre aussi? Il y en a une autre qu'on cherchait à looter. Ou un autre truc. Je sais plus ce que c'était. C'était peut-être autre chose. Non, c'était pour faire les blocs en machin là. Ouais, le Crimstone. Et ça, même Gabriel connaissait pas l'existence de ce machin. Donc, ouais, pardon, Pagabutsuo. Pour ceux qui connaissent. Ouais mais trop tard. Ouais, créateur du projet Omega, je vous invite à aller voir le projet Omega. Si vous n'êtes pas allé le voir, c'était avant la 1.2, mais c'était grave cool. C'est toujours grave cool d'ailleurs. Et c'est sur plein de chaînes. Et c'est sur plein de chaînes, notamment celle de Mass, la mienne, et celle de Tag. Ah non. Ça marche pas avec lui. Et Vas-y, arrêtez, c'est de la discrimination. Et ouais, il n'y a pas de chaîne, hein, vous êtes des creurs. Il le connaissait pas, alors que Utsuo, c'est quand même. Enfin, il connaît tout, quoi, normalement, tu vois. Il le connaissait pas. Et sur le wiki de Terra, il y a marqué que c'est un drop rare. Normalement, il y a marqué, tu vois, le pourcentage de drop rare. Même 0,1%, quoi. Ouais. Si, voilà, là, il n'y a pas marqué, là. genre, on sait pas, on l'a chopé une fois par hasard, mais on sait pas trop. D'ailleurs, si vous le chopez, limite confirmé, quoi, parce qu'on n'est pas sûr, limite. Bon, on est pas sûr. Ouais, normalement, hein, a priori, ils disent pas ça comme ça, mais... Oui, il n'y a pas de raison, je pense que... D'accord, ouais, nous, on l'a pas eu, nous. C'était beau, hein, c'était beau. Qui c'est qui nous a tué, c'est Tug? C'est la pressure plate que je viens de récupérer, déjà, en tout cas. Avec le boulder, ouais, c'est moi. Malheureusement, je suis sorti pour respirer, et il y avait un boulder qui m'attendait là où on pouvait sortir pour respirer. Non, ou c'est relativement profond. Ouais, presque comme si c'était calculé, tu vois. J'ai de la lumière. Ouais, oh, presque comme si c'était exprès, tu vois. J'ai bien compris, hein. De toute façon, tu tues Roger, derrière, c'est nous que t'attaques. Ah, bah, je fais un truc là au-dessus. La récupère, parce que moi, j'essaie de. Non, mais il y a un truc où on peut respirer, quoi, en fait. Ah, d'accord, pardon. Pardon, j'avais mal compris le délire. Alors, attends, faudrait. Ouais, bah, moi, les gars, j'y vais, hein. Bah tu veux peut-être que tu respires un coup quand même. Non, je respirerai en bas. Oh putain, je suis un peu short niveau vie. Quelques quick. Nanana. Et non, je passe pas moi. Non, c'est non. Vas-y, passe au travers, vite, passe au travers. Vite, je suis... Vas-y, creuse vas-y. Mais là, faut se dépêcher de creuser un trou de l'autre côté parce que là, c'est trop profond. Allez, vite. Ah non, avec moi. Avec moi. Je suis en train de... Allez.
Oh la question de merde quoi. Creuse au-dessus, creuse au-dessus. Allez, allez, vas-y. Vas-y, creuse, 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 c'est creuse, bon. Creuse, creuse. Vas-y, tu sautes, sautes, sautes. Ah, oh, c'est bon. Allez. Attends, attends, je pose une torche. Oh, oh la vache. La descente qui sert à rien en plus, sous un gros cul de sac de merde. Ça va, quoi, en haut? Il fait beau, il fait chaud, c'est cool. C'est pas humide, tout ça. Et puis j'avais, ah, mon, j'avais mon raincoat, ça serait cool si le raincoat il faisait un truc genre tu peux respirer sous l'eau. Carrément. Ah putain, ouais, y'a un gros filon d'iron juste derrière. Ouais, juste derrière. Mais... cette descente n'a pas été vaine. Ah, il est pas mal en plus, hein. Ouais, c'est une bonne veine d'iron. On a eu de la veine. Ah. Ouais. Ouais. Bah, du coup, j'essaie de trouver un autre truc avec veine, mais là je trouve pas. On s'est saigné aux quatre veines. Ce qui m'emplit de désespoir, voilà, du coup, c'est ça, me saigner les veines. On s'y retrouve. Oh, Roger! Roger! Ouais, t'as dit que tu as un oh, bleu, oh. C'est parti. Ça. Ouais, y a encore quelque chose à droite. Ouais. Non, c'est pas Roger, y en a plein, y en a trois. Il y a trois Roger. Ah, c'est la multiplication des Roger quoi. C'est comme les pains avec Jésus. Fais gaffe, trop de Roger, tu Roger. Ouais, tu squalichon. Ouais. trop de Togmark, tu Roger aussi. aussi, hein, mais ça je reconnais en même temps, même un. Tu vois, pas forcément besoin de trop. Vas-y, on creuse vers le bas, Mas. On va faire un truc aussi pour Squall, histoire qu'il soit pas en chien quand il va arriver. Vas-y, je commence à creuser le sable. Je suis gentil, Squall. Je pense à toi, je te creuse ton sable pour que tu puisses passer directement et que tu sois pas en mon sable. Creuse-moi mon sable. Oh, arrête. Ne sois pas vexé parce que tu es mort, Squalichon. Tu es de mauvais augure. Je suis de mauvais augure, oui. C'est-à-dire que... Tu vas nous apporter un autre boule d'air, voyons. Définissez. Qu'est-ce que je voulais faire? Je voulais faire ça, ça me casse les couilles. Tiens, on va faire ça même. Hop. Comment on fait? Ah ouais, pour descendre, ok. Comment fait-on? Tiens, bah Squall, attends, rejoins-nous. Ah non, t'es loin encore. Je suis loin, mais parce que je me traîne un peu, pour être parfaitement honnête. Tiens, mets de la corde, moi je creuse un petit peu, et quand il va nous rejoindre, après c'est lui qui... Il faudrait qu'il y en a un qui mette la corde, pendant qu'il y en ait deux qui creusent. Et ça, c'est le pire minage opti, tu vois, du début. Bah, vas-y, je m'occupe de la droite, tu t'occupes de la gauche, on va descendre à l'arrache. Et puis Squall, il fera... Je suis à droite. D'accord, autant pour moi. Et puis Squall, il s'occupera de mettre la corde. D'accord. Et les torches. Et les torches, ce qui pourrait être pas mal aussi pour nous. Voilà, si tu veux, j'ai 240 de bois, Squall, si tu veux... Attends, je veux bien des cordes, par contre. Oh, tu vois, ah d'accord, ok, donc ah, tu ouais. Pas de cordes. Pose des cordes. Bon, je me charge de remonter. Voilà. Holy crap. Ah, mais ça me fait chier, votre histoire, là, en fait. Ah, fuck. C'est du copper au-dessus, un gros gisement, quand même. Et bah, tu te débrouilles. Bah, chope-le. Tu viens descendre, viens chercher de la corde et... Ah mais non mais vous êtes sérieux, vous êtes... Ah les mecs, ouvrez vos yeux, bordel de merde. De quoi? Il y a eu tungstène. Ah, autant pour moi. Oh, autant. Autant pour toi aussi. Là, il y a un truc, là, d'ailleurs. Oh, un beau gisement d'iron, un beau gisement d'iron, ouais. Ouais, c'est pas du beau gisement, hein. Fais gaffe, ouais. ça va être noyé, hop. Ah, merde. Bouchon, c'est bon. Bon, merci. Du coup, je sais pas si on aura du platinium, mais on a déjà du tungstène à la place de l'argent. C'est cool ça. Moi j'aimerais bien du platinium à la place de l'or parce que je trouve ça quand même super classe l'armure. L'armure en platinium, ouais, elle est cool. Ouais, elle est plutôt cool je trouve pour une armure du début, elle a un certain skill. Tu m'excuseras parce que j'ai envie de voir. Ah non, mais je t'excuse totalement, j'étais en train de sélectionner la même chose que toi en fait. Tu vois, donc. D'accord, c'était pour vérifier, on sait jamais. Oh, ah bah, mais non, mais on est d'accord. Ok, bon, on va pouvoir continuer à descendre. C'est hop, ça. Sur la droite. Alors, qu'est-ce que nous avons? Oh, à gauche, ça commence à éclairer rouge. Genre enfer? Non, je t'inviterai à me rejoindre. Genre crimstone? Bah, ou non. Non, mais c'est rouge quand même. Togmar va t'informer. Ah. C'est quoi cette cochonnerie? Oh. Oula. Caverne de glace, moi je dirais. Oui, caverne de glace. Caverne de glace, en fait. Et on est... Oui, mais on peut pas le miner, ce minerai. Non, je ne crois pas. Ouais, d'accord, on est d'accord. Ouais, c'est ce que je pensais. Alors, du coup, aux dernières nouvelles, moi, la glace, c'était plus dans les tons bleus. Hein, quand ah, même. Merde. Encore un boule d'air? Non. Encore un boule d'air? La phrase phare de ce collection. Encore un boule d'air?
Ah, bah on a du platinium. Ah oui, c'est du... Oui, bah si, c'est... Oui, c'est de la crimstone orée, quoi. Or, d'ailleurs, orée. C'est Omar qui m'a corrompu. Orée. Orée. On a de l'iron orée. On a de l'orée. Passe-moi de l'orée, mon gars. Oh oui, oh oui, on va peut-être avoir un hook. Donne le hook, donne le hook, donne le hook. Oh la vache. Un hook ou pas de hook? Non, pas de hook. Non, non. Mais je te dis, on n'aura plus... Oh, un diamant. Ah. Oh putain. Fais gaffe. On aura plus vite fait de trouver des... Pardon. Oui, non, mais voilà, après ça peut arriver quand même, tu vois. On peut, si on en trouve un en fer entre deux... Il y a un beau... Parce qu'on aura, plus, on aura plus vite fait d'en trouver un en fer en plus du premier qu'on aura fait qu'un deuxième en... Ok, en émeraude ou en machin, tu vois. Ouais, j'allais te dire les slimes en... Les slimes de glace, faut y aller. Ouais, faut éviter. Bah, les slimes de glace, je suis habitué. Les slimes de glace piquants, c'est la première fois que j'en vois, je t'avouerais. Donc, Bah, ils envoient des chars. Voilà, c'est ça, ils envoient ces petites chars. Tu dois faire connaissance, de toute façon. Voilà, et puis ça te pète bien ta gueule, concrètement, généralement. Et quand, avant d'avoir le knockback, ouais, c'est pas mal casse-couille. Ouais. Bon, déjà, je vais essayer de revenir si des zombies m'embêtent pas trop, là. Ouais, il est sur toi. Bon, vas-y. Garde la pêche, mec. C'est relativement animé dehors. Garde la pêche, c'est marrant parce qu'on est déguisé en pêcheur. Et ouais. Gang bang. Putain, 22 de dégâts. Attends, parce qu'il y a un truc au-dessus. Bon, squash, je t'avoue que les armes ont un peu la flemme de grandir. Hein. Ouais, ils sont tout petits, t'as vu. C'est relou. Ouais. Il y en a juste un, il y a le grand frère à côté. Il y a le grand frère quand même. Ah bah voilà, plein de torches. Là, on parle. Bon. Non, là on parle. Regarde là où je suis. Ouais. Platinum bar, donc on a du platinum, je vous le confirme. Ça, mais oui, je t'ai dit que j'en ai... Oh, il m'écoute pas. Non, je ne t'écoute pas. J'en ai rien à foutre ce que les choses sont racontées. Salaud. Rien à foutre, moi. D'accord, il y a une porte qui donne dans l'eau. Ok. Une porte? Ouais. Une porte dans l'eau. Oh, ouais, je suis dans un... sur le... Je suis dans une maison là, tu vois pas où je suis là? Mais non. Je suis à 90 feet en dessous de toi, je suis là où il y avait le slim speaky machin là. Une Fallen Star pour nous. Oui, non mais ça je vois bien. Enfin, je vois les rouges, les cris, Togmar, qui était pas loin machin. Mais je ne vois quand même pas où tu es. Ah, bah rejoins-moi. Bah je mine. Et pourquoi je peux pas faire tomber le... J'essaie de faire... Ah voilà. Pour faire tomber le gold chandelier, faut y aller, hein. C'est un chandelier en or, mon petit gars, attends. Bon, bah, il me reste un peu pas beaucoup d'HP. Tiens, là, il y a du... On est... Ouh, oui. Ah ouais, là, c'est juste, là. Essaye de prendre un truc, fais appui sur ta... C'est quick bon, heal, c'est bon. Voilà. C'est parce qu'en fait, il y a un petit slim... Voilà, un petit si tu veux, j'ai des petites potions, d'ailleurs, que je pourrais te passer. Bah, en fait, j'en ai, mais c'est pas ce que j'ai mis en priorité. Donc là, il me prend mais les champignons. En fait, c'est parce que tu tapes pas le même bloc, en fait. Voilà. Laisse faire les pros. C'est ça. C'est ça, vas-y, je m'en fous, je te goûte. Bon, du coup, t'as récupéré le coffre? Oui, bien entendu, pour qui me prends-tu, voyons, hein? Je sais pas, moi, pour un mec qui arrive pas à arrêter un chandelier. Et j'ai récupéré donc 3 barres de platinium. Déjà 3 barres de platinium. Oh, ah oui, d'accord, ah. Ah d'accord, je n'avais pas vu ça, je n'avais pas vu ça. T'étais juste avant, en fait, hein, concrètement. Hein, c'est... D'accord. Il y avait la porte tombe. Juste après le mec, tu vois. Mais en fait, on a quel niveau, là? J'arrive pas à voir. On est au niveau de quoi? Rapport de à quoi? 3, là. Ouh, il me fait mal. Oui, il pique, hein. Gros bâtard. Oui. Ouh, on peut rien. On va éclairer un petit peu. Ça fait trop, là, les gars. Arrêtez de craquer garde torche non plus. Quand il n'y a pas d'éclairage, on pose une torche chacun. Allez, on creuse par là, on va noyer la salle, on s'en fout. Je prends à droite. Je prends à gauche, pardon. J'avoue, dans une seconde, j'ai cru voir un... Là par contre faut se dépêcher en fait parce que sinon je vais crever. Je suis à fond là. Ouais mais là je crois que je vais crever en fait. Allez. Viens. Corde. Vas-y. Vite. Viens. Il a mis une corde. Et je lui dis viens. Mais non. Mais je te dis il n'écoute pas.
Cet homme n'écoute pas. T'auras beau creuser, l'eau ne serait pas coulée assez vite. Non mais je serais rentré dans la salle. Oui, avec tous les mamans dessous. Ah, ah oui, je... Ah la saleté d'araignée là, non, de quoi c'est un scarabée. Oui, un scarabée, pardon. Une saloperie. Une grosse saleté. Vous êtes à 1500 feet de profondeur d'ailleurs. Ce qui est relativement décent. Oui, ça va, c'est pas mal. Ce qui est pas trop mal. Alors... Ah, attends, on va se faire plaisir. Voilà, même idée. Voilà. Ouais, même idée, mais moi j'en ai pas. Ah si, j'en ai. Voilà. Tiens, j'ai goûté un shackle, ça c'est bien ça. Ah, il va faire tout. Ah, c'est vrai que ça se divise, ces saletés. Slime banner, yeah. En pouvoir. Ça, ouais. Nice ça. Tu vas pouvoir commencer à te la péter un peu là. Exactement. Oh non! La chauve-souris a pu me faire tomber. Ville la chauve-souris. Ah, ça remonte vachement vite les cordes, c'est cool. Ah oui, moi maintenant je les apprécie beaucoup. Eh, j'avais un peu de mal au début, puis de plus en plus j'aime bien, faut être honnête. Ah, améthyste. Où que ça que tu vois ça là. Ah oui, exact. Non mais lui il repère des trucs des fois, tu sais pas trop où il les voit. De lynx, mon gars. Après, il y a des fois où tu t'es censé voir plus loin que moi, et pourtant c'est que moi qui repère des trous de caverne. Hein. Ah bon. Quand même. Ouais. Quand même. Genre, ah bon et tout. Ah bon, toi tu repères des trucs là. Ah bon, quoi ce machin? C'est pas. Il était vachement résistant le machin. Bah, très. Oh merde. Ah non, 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 non. C'est quoi ça? Moi je connais pas. C'est rien. Il est juste très chiant parce que voilà, on fait gicler à chaque fois à péter au schnuck. C'est très relou. Oh, saleté. Let me go first. Putain, je vois plus sur la DS, on dise bien. Ah oui, quand tu... Holy d'accord shit. Baby slime. Ok, le baby slime, il m'a mis... Il t'a mis la fessée. Ah, mais... En et encore, le mot est léger. Le mot est très léger. Je l'ai pas vu. Je pense qu'il y a eu un petit coup de lag parce que je n'ai pas vu de slime te taper. Bah, il y a quelques petits soucis de lag, c'est vrai. Ouais... Putain, j'ai chopé le zombie arm, mec. Ah, punaise. Ah, c'est trop cool, ça. C'est... Ah, une fallen star. Et franchement, elle fait plus de dégâts que mon épée, mec, hein. Oui, ah, non, oui, mais le zombie arm, c'est la meilleure arme du début. J'ai chopé, là, dans ma saison 3 en hardcore. Je la lâche plus pour l'instant. Elle est excellente. Après, ma Goldie, elle est bien. Elle a un bon knockback, hein. Elle a vraiment un bon knockback. Ouais, ma Goldie, elle est quand même violente, hein. Ah bah, elle a moins de portée, la zombie arm, mais elle a un knockback beaucoup plus élevé. Limite, si vous voulez une des deux, ouais, je peux... Je vous rejoins les amis. Ah ouais, c'est dans l'eau, putain. Ah, fait chier, j'avais zappé ça. J'avais zappé cette partie sous-marine. Ah, une falaine star au-dessus de notre tête. Bon, là, je t'avouerai que là, je veux bien prendre des... Oh, attends, l'œil, tu vas te barrer. Fallen star sous la terre, ça que non, non, non. Non, 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 elle est juste au-dessus de moi. Là, j'allais dire que je veux bien prendre la terre pour ah, la mais récupérer. Toi, t'es mort, c'est ça. Exact. C'est pour ça. Là, c'est marrant, je viens de... C'est la première fois que je vous a priori que je dois me faire toucher par ces machins. Les snowflings, là. En fait, ils sont hyper... ils subissent énormément de knockback, mais par contre, ils nous font subir aussi beaucoup de knockback. J'ai l'impression que c'est un peu ça le délire. C'est kiff-kiff, quoi. Un goût de tuno, quoi. Bon, vous me laissez vivre, là. Non, c'est relou. Aïe. C'est trop chiant. Voilà. N'empêche, ça me fait quand même plaisir de mourir plusieurs fois. Parce qu'en hardcore, quand tu crèves, tu dis, bon, bah, fini, fin de saison. Ouais, moi, j'avais fait la légende 10 comme ça, avec un petit idée hardcore, mais... Ah non, moi c'est du pur hardcore, hein. Tu crèves, c'est fini. Oui. Ce que j'aime bien, c'est juste la première nuit, tout ce qui m'est arrivé sur la figure. Hein. 3 yeux plus 5 zombies au tout début, c'est sympa. Nice, prends cher. Allez, t'avais fait une maison? En fait, je cherchais un endroit où m'installer. Ah ouais, non, mais c'est et au moment hardcore, mon gars, tu cherches pas où t'installer, tu fais une maison de 4 cubes sur 4 cubes, quoi. C'est... Au moment où la nuit est arrivée, je me suis dépêché de...
de me faire un... Bah, comme tu as dit, un truc, un 4 cubes sur 4 cubes. Ouais. Et je me mets sur la maison juste pour voir ce qui arrive. Et puis là, je vois, il y a 5 zombies, il y a 3 yeux et tout. Je dis, oh là 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 là. Et c'est là que j'ai réussi à choper mon zombie arme. Mais dans un biome neige, donc c'est relativement plus compliqué. Forcément, ça aide pas. Mais j'ai récupéré aussi une partie du stuff. Et quand tu descends à fond sur les cordes, là, tu fais pas de solid damage quand t'arrives en bas. Bah, tu vas prendre des dégâts quand même. Après, je sais pas s'ils sont liés à la vitesse de chute de la corde, vu qu'on est quand même lié à une corde. C'est vrai, je suis là, c'est quoi là? Ouais. J'ai un piège en face, là, ce bâtard. Il m'a déboîté. Ouais, voilà, je suis en train de vous rejoindre, là, je suis bientôt là. Vas-y, rejoins. Il n'y a pas l'air d'avoir un truc au-dessus. Oh, il y a un viking qui arrive. Ouais. C'est chiant les vikings ou pas? Non, mais tu peux choper un viking et le mettre. Ah, il pique quand même. Ouais, mais normalement, on se fait pas trop toucher. Ouais, normalement, il y a assez de knockback pour pas qu'il... Embête de pas savoir s'il y a un truc au-dessus. Ou pas. J'ai été voir. Oui. Ouh là là, ouh, il y a un coffre en or. Un coffre en or, attends, je vais atteindre des masses. Oh, oh, des masses 3. Ouh. C'est quoi? 2 points de vie, Tag, tout va bien se passer. Il y a une chauve-souris à ta gauche. Tout va bien. Oh, le survivor. Yo, mess. Comment ça va? Ah, mais Tag, il triche, il a 120 points de vie aussi. Ouais, mais s'il y avait... Il y a quoi dans le coffre? Raconte-nous. Dans le coffre, pardon, en plus je l'ai subtilisé violemment, il y a une armored spike shoes. Ça te permet de grimper au mur et de sauter quand t'es sur le côté des murs. C'est assez sympa, surtout au début, ça te permet de te sortir de pas mal de situations. Après, c'est effectivement, comme disait Squall, je trouve que ça devient chiant quand tu peux voler partout et tout, ça a rien de le garder, puisque ça te fait plus t'accrocher au mur qu'autre chose et perdre du temps au final. Bah, pour débuter en fait, surtout. Oui, ça. Au début c'est sympa, ouais. Et je prends le coffre, bien entendu. Alright. Faudrait que tu les poses d'ailleurs la prochaine fois que tu crèves oui. ou qu'on se barre. Qu'on se barre, écoute, parce que j'ai pas l'intention de crever maintenant. Pas mourir. Hardcore, mon ami, hardcore jusqu'à la mort. Non, hardcore, ça serait... c'est fini. Point barre. Moi, je suis pas mort, hein. Attends, oh. Hardcore, hein. Si peu. Ah, juste deux fois. Juste deux, trois fois. Non, deux fois. Deux ou trois. Sept fois. Deux sur trois, je sais pas. Je préfère pas m'avancer. Bref, et d'ailleurs, au niveau des épisodes, on fait des découpages comment? On fait un truc dégueulasse où chacun choisit quand il découpe? Ou vous arrangez sur une durée de chaque épisode? Ou est-ce qu'on fait des coupages normales? Est-ce que... Bah, si... moi, en général, je fais des épisodes d'une demi-heure. Donc si on tourne une heure, je le ferai en deux parties. En deux parties, très... ça dépend si Squall sort un épisode. Moi, je sortirai les deux relativement proches, quoi. Ouais. Voire même très proches. Ouais, voire en même temps. Et je préfère le faire en deux fois. Aïe. En fait. Je fais des saphirs. Ouais. Qu'est-ce que... quand je... T'as pris l'heure d'ailleurs à laquelle on a commencé? Le quoi? L'heure à laquelle... on a 48 minutes. Moi j'ai un chrono intégré à Mirelis. Et sur le deuxième écran, je vois le chrono, donc... on a 48 minutes. Comme il se la pète là, j'en deuxième écran... Bon, je vous laisse me rejoindre, messieurs, je commence à avancer, hein. On arrive. Pour ta question, Toc, au niveau de la chute par rapport à la corde, dès que tu quittes la corde, c'est comme si tu démarrais une chute. Donc, d'accord, ok. Donc, ouais, parce que je viens de le voir, je suis descendu à pleine vitesse. Et t'as pas pris. Et j'ai rien pris. Hey, what the fuck are you doing? Les gars, fait un piranha en dessous. Ouais, j'ai vu. Alors, j'ai du tungstène un peu là. Et on est dans une belle caverne de glace. Hein. Je t'entends miner. Je t'entends même très bien miner. Ah, tu mines très bien. Ah, tu m'entends plus miner là. Ah, je t'entends surtout frapper. Ouais, c'est ça. T'as vu comment je lui ai mis cher là? 22 là. Bim. Prends ça. Lui m'a éjecté royalement. À gauche, il y a un. Ok. Il y a un truc cotonneux là, je sais pas trop ce que c'est. Oui, il y a le truc qui faisait chier Squall juste avant. Le truc qui sera un peu à knockback de psychopathe. Ok, donc il y avait que d'elle. Le tunnel. À foi. Ah, les comment ça s'appelle? Les chauves-souris de glace, ils piquent, hein. Ah ouais. Si tu veux monter Squall après, je sais pas, ouais. Oh, j'ai un petit gisement de copper relativement sympatoche.
Ça serait bien d'ailleurs que la prochaine fois on commence à se faire des trucs parce que finalement. Ouais, finalement on commence à avoir un peu de trucs et. Allez, dégage, saloperie là. Et on commence aussi à prendre cher quoi. Ouais, concrètement. 25 à chaque fois qu'il me touche, Jota. 25. On dirait, on est quand même descendu très vite. Ouais, et, très, et quand même bas vraiment très rapidement. Donc sans stuff, c'est sûr qu'on prend relativement cher. Ah, en plus, on est dans la glace, je veux dire, ça aide pas non plus. Hein. T'étais ouais. Voir à gauche Petignan. Non, je suis juste parti à droite, moi. Ok, ok. T'inquiète, je te cover, Squall. Creuse. Ok, ça c'était pété. Allez là, avec le squelette. Ouais, t'inquiète. Oh, ce que j'ai fait, c'était beau. J'ai le knockback et ils sont bloqués. Ils sont obligés de sauter pour me pécho. Et ça, je les fais sauter dans l'autre sens. Pas de problème. Gaffe qu'il y a un piège. J'enlève. Ouais. Ouais. Par contre, là, doucement, surtout ouais, sautez pas. Ouais. Oh merde. Je vois rien. Oh putain. Ah. J'ai failli faire grave de la merde, moi. T'as failli sauter. Ouais. Tu t'es retenu au dernier moment. Non, j'ai sauté. Mais sur play. Là, c'est haut, fort heureusement, grâce à l'eau finalement. Oula. Fais gaffe, ouais, masse. Le tungstène encore. Dégage. Merci. Ok. J'ai peur d'aller sur la glace. Ouais. J'ai tellement peur de la péter. Ah merde, je t'avais pas vu ça. Du copper. Un pot. Ah ouais, on me laisse ramasser le copper tout pourri quoi. Hein. Ok, je vois. Ah, il est fine, allez, non. À gauche, il y a du copper en haut à droite, un petit gisement. Et on peut aller à gauche encore, apparemment, je vois quelques jeux de lumière à gauche. Monte, Squall. Monte où je suis. Quoi? Ok. De quoi? Non, rien. Attends, parce que je pense que c'est du tungstène, ça. Ouais. Mais tungstenise, hein, rien ne t'en empêche. Bah, on va dire si. Genre tes blocs. Non, tu peux creuser au travers, hein, tu peux creuser le bloc d'après. Hein. Oui, mais après, s'il tombe, on sait jamais. Ce serait terrible. Coup, il serait pas tombé, du coup, ce justement. Ce serait terrible. Bon, là, c'était vraiment sportif, hein. Aïe. You bitch. Hop là. Bon, il y a un truc à gauche là. Ouais, ouais. Bah, il est dans le parti. Il est parti. Je prends le bas. Prends le haut. Comme on tombe d'accord direct, c'est magnifique. Voilà, ça c'est de l'optimisation. Et là, on creuse vers le bas. Ouais, parce que là, il y a de l'eau par là. J'ai l'impression. Hop là, ça va faire mal. Tapez, voilà. Tapez, je ne sais pas dans quelle direction, mais tapez, je ne sais pas moi, mais tapez. Bourrine, Joe. Ce que j'aime. Ah, oh, ça c'est pas bon. Ah ouais, non, c'est pas bon ça. Ah. C'est bon. Vous êtes bons les mecs, vous êtes bons. Mais non, mais je voulais aller sauver Tokmar, moi. Table. T'es un mec bien, quoi. T'es un mec charitable. Tac, des petites améthystes. Ouais, qui trône, c'est ce que je vois. Hmm. Ah, on va risquer d'avoir la visite d'un petit slime de glace. Ouh, le petit piège. Et puis d'un bouton. Il y a un bouton. Toc. Ok, je suis dans la merde. Moi aussi, je suis grave dans la merde. Je suis grave dans la merde. Viens au-dessus. J'ai pris cher. J'avoue, c'était chaud là quand même. Oh, lui, faut pas le prendre là. Non. Moi j'ai 17 PV là, hein. Il me touche, je suis mort. Bah bon. Mange. Mais enfin, t'es passé toi. Ah ouais, non, ouais. C'est. Bah, y'a un bouton qui m'a fait des câlins et j'ai pas trop apprécié. Ah, un petit boule d'air. Ouais. Non, le bouton. Le mouton. Ah, le petit mouton, il t'a caliné le mouton. Oui, le mouton, le truc qui cassait les doigts, quoi là. Qui tape un knockback de psychopathe et qui te retire 25 par coup. Et vu que t'es coincé avec lui, bah il te fait très très mal. De la saloperie, quoi. Eh, on a dit à Tog de poser des coffres, mais il a quand même mis un lampadaire. Ah mais moi j'avais déjà posé le lampadaire, par contre j'avais les coffres sur moi, et effectivement j'ai pas pensé à poser les coffres. Mais j'en avais qu'un à l'époque, donc je me suis dit que c'était pas forcément super important. Parce que toi à l'époque c'était il y a 20 minutes. Ah bah c'est ça. Ouais, exact. C'était un âge
quand on était jeune, à l'époque, tu vois. Oui, bien sûr. Once upon a time. Par contre, Squall, t'es un salaud quand même. Ouais, carrément. Mais j'ai pas très envie d'aller par là. Étonnamment. Mais étonnamment, tu me laisses dans l'eau avec des vikings alors que t'as fermé la porte en fait, tu vois. Ah bah apparemment... Je sais pas qui c'est, mais il y a quelqu'un qui a mis une bande de terre en fait, un endroit où j'avais creusé pour remonter en cassant la glace. Ouais, tout à fait. Voilà, je crois que c'est toi, Squall. C'est moi, c'est tout à fait moi. Voilà. Et donc du coup, vu que je suis retombé en traversant la glace, forcément, gangbangé par des vikings et des spiky slime. Non, j'entends bien ce que tu veux dire, mais en même temps, tu vois, en mettant la terre, je me suis dit... C'est un peu con parce que si quelqu'un retombe, et ben il va être dans la merde. Et puis je me suis dit, ouais, mais personne ne sera assez con pour retomber. À la limite, dans ce cas-là, il fallait le faire tout le long, tu vois. Mais je pense que quelque part, il y avait une notion de vengeance de Roger, tu vois. Écoute, alors, moi, je suis entièrement dans le noir. T'es où? T'es en train de nous rejoindre là? Je suis dans l'eau et je crois que je vais crever noyé. Alors, par contre, là, j'ai trouvé plein d'améthystes et un gisement de copper. Je crois qu'il y a un gros gisement. C'est exact, je vais mourir noyé. Ah, c'est con ça. Ah non. Ah, non, c'est... je viens... quoique si, attention. Dégueulasse. Shark food. Mais y'a pas de shark dans les... N'importe quoi. N'importe quoi, jeu, hein. J'ai mouru devant l'arrivée de la sortie. J'ai un hook. Tu as un hook? Et ben, moi, parfait. Je pense qu'on a assez d'améthyste pour faire un grappin en améthyste. C'est bien, donc déjà, on aurait deux grappins. Il change quoi, le grappin en améthyste? Enfin, le grappin en fer, faut trois chaînes. Ouais, oui, mais les Oh, ça va, on a pas mal de blocs de fer et tout. Hein. Bah, moi je te proposais Squall après de pas tarder à nous rejoindre. Bah, ou alors on redescend, hein, c'est comme tu veux. Hein. Non, bah là on est à une heure là à peu près, pas loin. Ouais, on a 56 minutes. Tiens, ouais. Je vais mettre les matériaux là-bas et t'auras juste à faire stacker. Je finis là, il y a un gros gisement de platinum que j'ai trouvé. Ça, ah ouais, cool. Fais-toi plaisir, quoi. Il doit y en avoir une bonne vingtaine, je pense, facilement. Non, même beaucoup plus en fait. Un plus haut, une bonne trentaine. Il est où le copper? Il est là, le copper. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme matériaux? J'ai ça. Ça, je vais le mettre ici aussi. Ça, on va le mettre là. Ça aussi. T'auras juste à faire quick stack en fait. Capiche. Et après, on verra pour le reste. Ah, quand même, 2000 feet de profondeur. Hein. Aïe. Oh, shit. Et ouais, on est descendu sec. Tiens, bah c'est bon, vas-y, tu peux accéder au coffre. Alors, pouf, c'est bon. Tiens. Et attends, faut que je complète. Tu m'as jeté quoi, en fait? De la corde. D'accord. Je crois que, oui, j'ai tout jeté. Bon, bah, niveau copper, ça va, on est relativement blindé. On est full. Niveau copper, bah alors, si je te fais les comptes. 99 copper plus 31, 86 iron. Du coup, ça fait 130. Ah, voilà, je veux pas. Si tu veux, 86 iron. On a 3 platinium or avec 3 barres. Tiens, mets ça dedans aussi. 16 tungstène. 2 saphirs. Et puis ensuite, bah, du bois. Aussi 3 améthystes. Tu peux regarder, Todd. 3 améthystes. Ouais, c'est bon, on a de quoi faire. Ah, chaud week-end. Aïe, aïe, aïe. Non, bah attends, toi. Alors, on va faire du lancer de couteau sur le sim qui est en train d'arriver. Bon, bah d'accord. Finalement, il n'y aura pas de lancer de couteau. Ok. Bon. Hey, j'ai un Magic Mirror aussi. De quoi? Ah ouais, j'ai chopé un Magic Mirror en fait dans le coffre. T'as posé un Magic Mirror? Non, je l'ai chopé, ouais. Ah, j'ai chopé. Je viens de me rendre compte que j'ai chopé un Magic Mirror, tu vois. C'est... Ah! Bah écoute. C'est sympathique. C'est toujours sympathique, hein, quand tu t'aperçois de ça après coup, tu vois. Ah! Bon. Qui c'est qui veut le zombie arm d'ailleurs? Moi j'aimerais bien, c'est à part si Squall le souhaite. Vas-y, moi je vais me faire le grappin. Bah vas-y, je veux bien. Je vais faire un grappin aussi, en échange. Comme ça tu seras le seul sans grappin galérien. Mais pour le grappin, il faut qu'on mette un ou tu me donnes ta copper sword? J'ai pas fait exprès. Salaud. J'ai pas fait exprès. C'est ça. J'ai l'intention de nuire. Bon, je pense qu'il était secrètement amoureux de Robert. C'est Roger d'ailleurs. Pareil, Roger Robert. Déjà, vous allez arrêter avec ça parce que déjà, moi je connais un Roger, j'en connais un. Ouais. Vous allez arrêter de l'embêter parce que là, vous n'arrêtez pas de le citer. Je vais pas être content, moi. Ça, c'est pas possible. Il va réclamer les droits d'auteur. Exactement. Non mais jette pas les couteaux, donne-les moi par contre.
tu vois, plutôt que de les gâcher, tu vois, autant les cochonneries de shuriken. Les cochonneries de shuriken, t'en fais ce que tu veux, tu vois. Attends, les couteaux. Eh, viens là, viking, je t'attends. Mais pas peur d'un viking, moi. Aïe, 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 j'ai peur d'un viking. Aïe, 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 aïe. Ça me déprime de mourir, là. J'aimerais mourir dans un combat... épique. Épique, exactement. Ah non, fuck. Oh, I'm in trouble. Non, I'm not in trouble. Yes. Ah, parce que je vois que tu es relativement faible en vie. Bah oui, mais parce que je pourrais me healer, mais je ne le fais pas. Parce que je suis... J'aspire à vous rejoindre. Je comprends. Et en même temps, soyons honnêtes, se laisser tuer, c'est une expérience qui m'a toujours laissé... perplexe. Triste même, osons le mot. Moi j'ai chopé un tableau, c'est Fishing Gold, je crois. Je tue ce viking et puis je me... Et tu te... J'y passe, je passe l'arme à gauche. C'est parti. Arme à gauche, la. Bah, j'ai un point de vie. Bah, ouais. Essaie de le perdre. Tiens, t'as 20 points de vie. Est-ce que t'as du caillou sur toi, s'il te plaît? J'ai pas de caillou là. Juste du caillou. Il veut de la caillasse. L'un de vous d'ailleurs. Bah, plutôt toi, Mas d'ailleurs, hein, c'est toi qui es là. Du caillou. J'ai 89 cailloux. Du caillou. Et par contre, les cailloux. On va pouvoir récupérer le démon man. Je vous informe, il faudra juste finir un étage. À quoi? On va pouvoir récupérer le démon man. Il faut juste finir un étage. Le quoi? Le démolitionniste. Demolition Man. Okay, moi j'appelle le Demo Man. Le Demo Man. Pourquoi je peux pas faire de four? Qu'est-ce qu'il me manque pour faire un four? Il faut des torches. Ouais, j'en ai déjà pas mal. Il faut de la pierre. Ouais. Il faut. C'est tout, je crois. Voilà, j'ai des cailloux. C'est bien des cailloux, hein. Stone block, ouais, c'est bon. Des cailloux. Four dans la maison. Ah. C'est bon. J'ai pas fait attention, mais Squall est amoureux. Oui, je... Voilà. Adieu, Squall. Que veux-tu, c'est comme ça. Que Dieu te garde. Le démon ne devrait pas tarder. Non, il m'a dit... J'ai mis des statues sataniques sur le toit pour nous protéger. Des bons esprits. Il m'a demandé de bien vouloir me casser, Dieu. Il m'a fait non, reviens sur Terre, là, j'ai pas envie de t'avoir au paradis. Arrête. Casse les couilles. Je vais vraiment en enfer, non, pas envie non plus. Je fais bon, très bien. Bah, c'est Togmar et MS d'armes qui seront contents. Voilà, exactement. Rien que ça. Ouais. Ou pas, hein, je ne sais pas. Du J'ai coup, l'impression que la lune est un poil rouge. Est-ce que ce serait pas un signe, genre bientôt Blood Moon ou quelque chose comme ça? Peut-être, écoute, c'est probable. Est-ce que tu aurais par hasard des matériaux, peut-être masques, que tu n'aurais pas quick-stacké du coup, puisque je ne les avais pas en ramassé, par exemple? Nope. Ouais. J'étais juste le reste de couteau que j'avais, sinon... Tiens, vas-y, Squall, tu peux... Le dernier coffre, Squall. Le coffre en or. Voilà, tu peux récupérer du coup ce qu'il faut pour commencer à craft, à la limite. Comme ça, on craft et on coupe avant la fin de l'épisode. Oui. Oh, je m'occupe de ta sécurité, occupe-toi de... Bien, oui, bah d'accord. Ouais, mais j'ai eu du lag, tu m'excuseras, d'accord. En plus, c'est moi le meilleur agent de sécurité, t'inquiète, regarde, en fait, sous ma cape, je suis même pas à poil. Alors, je peux pas savoir ce que t'as sous ta cape. Ah, mais regarde, t'as vu? Je suis même pas à poil. Ah ouais... Et tu veux faire quoi avec cette armure? Ah bah rien, mais j'ai deux défenses en plus, tu vois, c'est comme si j'avais deux shackles gratuits, tu vois. Donc, je veux dire... D'ailleurs, oui, non, là, ça y est, on va avoir d'autres choses, tu vois. Mais du coup, si vous voulez vous prioriser sur les armures, à la limite, voilà, moi, ça me dérange pas, tu vois. Pourquoi tu casses ma statue? Ah, pour mettre l'enclume. Ouais. Il faut savoir établir ses priorités, comme on dit. Alors, j'ai potentiellement... Ok, non, rien. Tout va bien. Potentiellement grappin, potentiellement à caca. Non, je crois que j'avais fait de la merde, mais en fait non, je ne sais pas pourquoi. J'ai
potentiellement chier dans la colle. C'est ça. Alors que, évidemment non. Évidemment, t'avais géré comme un dieu. Full talent. Voilà. Tiens. Voilà. Oh, et c'est quel le grappin celui-là? Ça c'est améthyste. Et il se fait avec quoi tiens? Qui c'est qui a besoin de potions? Améthyste. Ah bah. Voilà. 15 améthyste. 15 améthyste avec un hook, c'est ça? Non, 15 améthyste. Pas de hook, 15 améthyste. Juste 15 améthyste. Oui, c'est pour ça que c'est très pratique. D'accord. Et oui. Et alors par contre, l'améthyste, encore une fois, c'est le moins bien, quoi. Mais bon. Oui, bah c'est déjà un grappin. Écoute, oui, t'as un hook, donc limite, t'essaies de nous faire 3 chaînes avec un deuxième grappin que je prends. T'as un hook là? File-moi un hook. Je te l'ai passé. Tu m'as donné. Ok, très bien. Alors, d'autant que les chaînes maintenant, on en fait 10 par 10, donc ça c'est cool. Bah ça va aller alors. Oui. Hop. Tiens. Wouhou. Alors du coup, masse d'armes, c'est celui qui est le moins bien loti. Est-ce que je peux te faire une arme? Une armure. Plutôt une armure, je t'avouerai, parce que ouais, là, ouais. Avec la ouais, elle est bien arme, là. La zombie arme. Je peux pas te faire une full armure de fer, par contre. Mmh, alors, est-ce que tu préfères des bouts de l'armure de fer et le reste en copper, ou est-ce que tu veux full copper pour avoir le bonus? Non, bah fer, autant faire fer. Ok. Alors, autant faire fer. Tu peux faire un truc d'équivalence alors? Qu'est-ce que c'est que cette défense? Platinium, je peux faire... Non, je peux faire une épée. Ou un arc, d'ailleurs. On peut faire une épée en or, hein, c'est cool. Ouais. Tant qu'à faire, je préférerais l'armure, tu vois. C'est mieux la def. Tiens, pas creux. J'arrive. Attends. Aïe, attends, je le fais. Merci. Merci bien. Alors, attends, bouge pro. Est-ce que vous avez des lentilles encore? Ouais, je n'ai pas lentilles. Moi j'en ai probablement. On voit les squales. Ouais non, j'en ai pas en fait. Comment ça se fait que j'en ai pas? Bizarre. Bon. Ok, Mas, t'as eu tout, c'est bon? Bah j'ai le plastron et le chapeau. Ah, c'est toi qui a dû choper les bottes. Ah pardon, t'as des coppers? Mais c'est du copper. Oui, oui, bah oui, on a plus de... C'est bon, je suis équipé, merci. Cru que c'était la fête ou quoi? Yad, waouh. Enfin, ça fait relativement moche, mais c'est pour ça que je garde ça, peut-être, aussi. Et du coup, on peut pas faire de pioche, peut-être, en... Ah oui, on peut faire une pioche en or. Est-ce qu'on peut faire une pioche en or, d'ailleurs? Ça pourrait bois. Être intéressant. Attends, il est dans le coffre. Dans le coffre, c'est blindé. Ouais. Hop. Alors, on peut faire une pioche en or. Les fonds et faire des trucs. On peut faire une pioche en or. Bon, on va faire ça. D'ailleurs. Ouais, hop, c'est pas mal, une pioche en or. Oh, la palette sur la maison. Tant qu'à faire. Et une tungstène broadsword qu'on peut faire aussi. Ou bon, alors une pioche en tungstène, si vous voulez, comme vous voulez. Je tiens à informer qu'on peut faire 2 cristaux de mana. Et bah, fais 2 cristaux de mana et donne-en un à quelqu'un. D'ailleurs, à la limite, non, ce qu'on peut faire, c'est qu'il y en a un qui se spécialise magie et il prend les cristaux de mana. Pour débuter? Pour débuter au début, comme ça, on lui donnera directement Je t'avouerai que moi, je serais plus pour me prendre au plus... dès que je pourrais, le mini shark, donc... Je filerais bien le cristaux de mana. Toi, tu veux faire le mage? Moi, je veux bien faire le mage, je kiffe bien le mage après. Eh ben, vas-y, fais le mage. Comme ça, moi, je vais faire le tank. Du coup, tiens, je vais te filer l'helmet, tiens. Je vais te filer l'épée. Je sais que ça ne change rien, parce que j'ai mon cactus helmet qui me donne un de défense, déjà, donc... voilà. Hop là, et donc du coup je peux faire une épée. Par contre des greaves qui me donnent absolument pas de défense les wooden. Vous voulez pas me répondre? Non. Une épée. De quoi? Non, moi j'ai très bien mon pioche. La pioche, pioche j'aimerais pas. Pioche plutôt, oui. Pioche, oui. Sachant que donc j'ai fait une pioche en platinium déjà. Je peux faire une pioche en tungstène. Ouais. Sauf que la pioche en tungstène se fait chier parce que... Ah si, canne mine météorite. Tu peux pas faire d'armure en tungstène? Je peux faire la tête. Uh-huh. Moi je peux te filer la tête, mais si tu veux. Bah, soit la tête, soit la pioche, comme vous voulez. Bah, je dirais que. Ouais, je sais pas. Je t'avouerai, c'est ton choix là. Bon, on s'en fout, de toute façon, la prochaine fois on chopera assez de. Et voilà, mais oui. Bah, donne la pioche, ça ira très bien, ça permettra de creuser plus vite. Non, on va rater. Tu vas donner quoi? L'autre choix qui a été fait. C'est l'autre choix, on s'en fout, hein, c'est pareil. Tiens, bah, qui c'est qui a pas de casque? Voilà.
Moi j'étais équipé d'un casque. Sinon tu donnes à Squalichon pour qu'il soit moche. Non mais c'est bon, tout le monde a un casque. T'es un full copper Squall? Non, moi j'ai que le casque en copper. D'accord. J'ai pas de Greaves moi à la limite qu'il faudra que je remplace. J'ai pas de bas. Bref. Là, si j'enlève mon chapeau, on est comme ça. Pense que... Squall, on se ressemble relativement. Je peux pas faire de bas en fer là avec 17 barres de fer? Non, je crois que c'est 20 ou 25. Putain, c'est 20, ouais, a priori. Putain. Ok, alors on va remettre les trucs. Donne-moi des torches. J'en ai que 12. Donc, Non, mais faut en faire, à la limite, donne-moi le bois. Je vais en faire. Et le gel qui est dans le coffre. Je n'ai pas de bois. Je vais parler à Squalichon. Je suis juste devant lui, là, je lui parle. Allez, donne-moi ça, saligo. Voilà. Et le gel avec. Et le gel. S'il n'y a pas le gel, ça marche pas. Mais j'en ai pas. Il est dans le coffre. Voilà, ouais. Je peux y accéder. Ouais. Voilà, non, mais c'est tout ce que je tiens à dire. Voilà, moi, je veux pas être contrariant. Hein, pas être contrariant. Chut, le dites pas à Dogmar. Tu fous le bordel, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je sais pas. J'ai rien fait. J'ai rien fait du tout. Ah, y a le coffre du milieu, c'est le bordel. Qui c'est qui a encore des torches? C'est pas moi. moi, c'est bon, j'en ai une... Tog, je t'inviterai à regarder le coffre du centre. J'en ai une chaîne. T'as des torches? Tiens, j'en ai 10. Tiens. Bon bah, merci. Tiens, regarde. Merci. Viens, regarde le coffre du centre. Il est relativement propre, relativement bien rangé. Ah bah oui, relativement bien rangé tout ça. C'est relativement gentiment rangé. Je tiens sur un pixel de vide, c'est pas mal ça. C'est pas moi. C'est masse d'armes. Je l'ai vu. Plus t'es un salaud quoi, tu laisses des bombes dans le coffre quoi, c'est inadmissible. Ah, moi j'ai gardé 3 bombes sur moi. Ah, je suis guette, j'ai un grappin déjà. Bon bah écoutez, je vous propose de mettre fin à cet épisode et puis de passer sur le prochain quoi. Regarde, t'es vénère hein. Bon, t'es vénère hein. T'aimerais bien pouvoir faire le kikou comme nous, Mas. Hein. Je vous emmerde et je rentre à ma maison, d'accord? Ouais, mais ta maison c'est notre maison alors. Bon, je vous emmerde et je retourne à mon étage. Qu'est-ce qu'il fout le guide dans l'arbre? Le guide a popé dans l'arbre. Oui, t'as vu, c'est marrant. Hein. Et moi je m'en fous, j'en ai même pas besoin, regarde. Je climb comme ça, direct, bim. Ah, mais c'est cheaté, lui, il a les deux en plus. Le mec, il a le miroir, le truc pour monter. Il a le miroir et tout. Oh. C'est Squall qui l'a eu ou c'est toi? Non, c'est Mas, je pense. Non, c'est moi. Attends, j'ai la bannière. Comme ça te donne le petit. Ça te permet de grimper un petit peu, d'essayer de nous rejoindre, de t'en sortir. Moi, j'ai le grappin, ça va aller maintenant. Ouais. Ok, bon, bah. Tiens. On va. Fais des portes. Là, je crois que c'est un peu trop petit, je t'avouerai. Ah. Ouais, je pense aussi. Ouais, là, c'est mieux, là, c'est mieux. Il y avait le panneau, tu vois, genre, il y avait le sauf que je n'ai pas de bois, donc pour faire la porte, c'est un petit peu. En tout cas, on vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. On va y arriver. On vous aime, on vous apprécie. Heureusement. Et on vous dit à très bientôt pour la prochaine, pour le prochain épisode. Avec Masarm, avec Togmar, avec moi-même, avec le marchand, comment s'appelle-t-il? Avec Walter. Avec comme dans le guide dans l'arbre. Comment il s'appelle cette série là avec Walter Bishop? Ah non, ça c'est Fringe. Fringe, exactement. Walter avec Bishop. Scott. Également avec Scott. Avec Scott, ouais. J'aime pas ton nom, mec. Scott, ça fait prétentieux. Et Lisa, qui vient d'arriver. Et Lisa. Bah voilà. Voilà. Yo Lisa. Ah, tiens. Bonjour Lisa. Tranquille, bien. Bon, jeunes gens. Au plaisir. Tchou.